Ça, c'est ça, ce moment-là, il est. N'hésitez pas à parler pendant le tournage. Désagréable. Ah, ça a commencé là ? Bah, apparemment non, parce que ça parle. Bon, à l'ambiance de merde que j'ai foutue. Les gars, je suis très content de vous retrouver ici, dans ces petits apparts, à cette table. En 7 mois, t'as pas glow up, regarde, il y a juste une guirlande en plus. Frère, en 7 mois, j'ai perdu de la déco derrière. Ah, il y a bien meuble. Il y a d'autres trucs. J'avoue que tu m'as survendu le truc en bas en mode, non mais là, c'est le même endroit. Mais déco. Ça, c'est même pas dans le cadre. Mais j'allais dire, c'est pas filmé. Frérot, chaque déco a été payé de ma poche, je peux être sûr qu'on voit tout à la cam. Comme le 1 qu'on a fait, c'était il y a quand même 2 ans, les gars, vous vous rendez compte ? Ça date ? Ah ouais, déjà ? Mais oui, ça tu te souviens comme il ressemblait de ouf, hein. Tu te souviens à quoi il ressemblait ? Ouais, t'as glow up, hein. Ça y est. Ah ouais, la glow up, un peu. Il met du gel maintenant. Mais non, mais c'est de la cire, c'est juste que j'avais les cheveux mouillés ce matin en m'habillant. Tout à l'heure, je lui ai dit, frérot, si tu veux, je te prends un taxi moto. Il m'a dit, non, frérot, ça va abîmer ma coupe, t'inquiète, je me démerde. Il arrive en retard pour pas louper sa coupe. Non, alors. Je suis là depuis 8h30, c'est vrai, il est 10h. Et toi, par contre, entre le premier épisode et maintenant, t'as plus de cheveux. Plus ? Mais j'étais sûr d'avoir les cheveux plus longs, hein. Je parle en quantité, attention, pas en longueur. Non. Attention. Il y a combien de défis ? 7. Bon, ben, un chacun. 7 ! Il y en a 4. Ah ouais. Attends, 4 ! Bon, les gars, on va quand même réexpliquer. Qu'est-ce qui se passe là ? Oui, bah, tous, ouais. Quand tu tousses, ça sent la merde, très bizarrement. Mais... On va réexpliquer quand même le jeu, pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Le jeu qui s'appelle ? Mauvaise pioche. Mauvaise pioche. Non, le jeu qu'on va faire là. J'ai juré, c'est pas Missy Gris. Frérot, c'est Missy Gris, tout le monde a dit, non, c'est bon. J'ai gagné le débat. On a un paquet de cartes, avec les cartes qu'on connaît tous, sauf que dans ce paquet de cartes-là, il y a une petite carte qui s'est glissée. C'est une carte gage. Sur la carte, il y a écrit le gage. Ok. Comparé au premier épisode, j'ai changé quelque chose. C'est que sur le premier épisode, il y avait marqué par exemple faire un parcours d'obstacles en entorse humaine. C'est clair et net, tu sais ce que tu vas faire. Là, avec l'intitulé du gage, vous pouvez pas comprendre ce que c'est. T'aurais écrit quoi pour torche humaine ? Par exemple, pour torche humaine, j'aurais écrit. Allumer la lumière ! Que le feu par soit exemple, avec toi. Ou alors, petit coup de chaud. Tu vois, j'aurais appelé un truc comme ça, tu vois. Okay. On distribue tout le paquet. Dès qu'on a un double, ça on l'a beaucoup dit sur le premier épisode, normalement c'est par couleur. Nous on fait pas avec les couleurs, sinon les parties elles durent trop longtemps. Donc, dès qu'on a un double, on les jette. Le but c'est de finir avec plus aucune carte. Si tu finis avec une seule carte, qui est la carte gage, du coup tu prends le gage. Okay. Et du coup le but c'est de se refiler la carte gage au maximum. Il faut s'en débarrasser absolument, faut pas la garder celle-là. Ok, voilà. Okay. C'est bon, tout est clair pour vous ? Tu peux répéter juste du début, juste. Alors, on a un paquet. C'est l'OP ! Eh oui ! Wouh ! On aurait pu mettre le bruitage au montage, mais ça marche aussi, quoi. Laissez-moi vous parler du sponsor qui nous permet de faire cette vidéo incroyable. Il s'agit, mesdames et messieurs, de Happn. Alors, Happn, si vous ne les connaissez pas, c'est très simple, c'est une application de rencontre. Mais pas n'importe quelle application de rencontre. Je m'explique. Avec cette application, vous allez pouvoir retrouver les personnes que vous avez croisées dans la vraie vie. Par exemple, au musée, en allant faire les courses, dans votre bar préféré, au cinéma, je sais pas, n'importe où, c'est possible. Et tout ça, ça permet à Happn d'être une application plus authentique, plus ancrée dans la vraie vie. Et est-ce que c'est pas ce qu'on veut au final dans tout ça? Sur votre profil Happn, vous allez pouvoir renseigner les lieux que vous préférez, que ce soit les cafés, les parcs, les musées, les bars, bref, plein de trucs. Et sur Happn, vous pouvez trouver les personnes qui ont choisi les mêmes lieux. Et du coup, vous pouvez plus facilement liker ces profils-là et crusher avec. Ça rend quand même bien plus simple le fait d'entamer une conversation avec quelqu'un, on aura de fortes chances d'avoir un sujet commun, quoi. Et ça ne fait que ancrer encore plus l'application dans la vraie vie. Ça, c'est un bête de point. Et à l'occasion de Mauvaise Pioche 2, Happn organise un petit jeu concours très sympa. Je m'explique, ils m'ont créé un profil sur Happn, sur l'application, et donc si vous trouvez mon profil et que vous likez, vous pouvez gagner des petites surprises très sympas. Voilà, donc maintenant, c'est à vous de jouer. Faites-vous kiffer ! Évidemment, donc, merci infiniment à Happn de nous suivre sur cette vidéo, c'est génial. Vous avez dans la description tout ce qu'il faut, comme d'habitude. Vous avez mon lien pour télécharger l'application. Il y a tout concernant le jeu concours, etc. Amusez-vous, régalez-vous, rencontrez des gens, sortez, putain, mais découvrez la vraie vie, quoi. Putain, mais rencontrez des gens, quoi. Allez, on continue. On y va, les gars ? Allez. Je distribue, c'est parti, là. Oh là là. Ah, j'adore. Mais attends, tu mélanges pas ? C'est déjà mélangé. Mélange, frère. Oh, c'est déjà frère, mélangé. La prod a mélangé, je peux remélanger très mal. Hein. Ben, remélange très mal. Attends, non, t'es sûr ? Ça va changer le cours des choses. Non, de non, faire non, ça. C'est bon. On refait tout, là. Ça se trouve, c'est moi qui ai mangé ce gars, j'ai là, on faisant ça. Vas-y, mélange, vas-y, mélange. J'espère. Si, bah, j'ai mélangé. T'es en train de frère. Tu mélanges pas, là ? Mais je fais une en haut, une en bas, une en haut, une en bas. Genre là, si nous trois, on est sains et saufs et que c'est JLC qui a le gage. Pourquoi moi encore ? Pourquoi c'est moi l'exemple encore ? Pourquoi c'est moi l'exemple, par exemple ? Sexuellement ? D'où je parlais de sexe ? Non, je me pose la question. Mais de quoi ? C'est quoi ? Comment on a dit bifurquer sur ça ? Je sais pas. Je sais même pas qu'on réponde oui, d'accord. Oui. Ouais, ok, bon, vas-y. Bon, si vous avez des paires, vous les dégagez. Non, par contre, je suis très déçu parce que l'édition 1, il y avait nos têtes en. Il y a toujours. Oh, il y a Maxime. C'est sur les rois, c'est sur les rois. Moi, j'ai un double roi, là. Boum. Oh, les gars, j'ai la main du siècle. Ah, bah, je suis très bien aussi, là. Bah, il n'y a plus de garde, là. Bah, moi aussi. Ah, oui, d'accord, parce que moi, j'aurais dit vraiment beaucoup. Et le tour il commence par quelqu'un qui se fait piocher. Donc Max se fait piocher par toi. Toi tu te fais piocher par Seb, moi je pioche, Seb il se fait piocher par moi, et ainsi de suite.
Il mascam, je suis dégoûté. Mascam, c'est mascam. Pitié, pas une paire. Oh. Il a une paire. Non, je suis dégoûté. Non, j'en ai marre. Putain. Non, tu vas aller dans la merde, parle pas avec moi. Carré, carré, carré. Max. Attends, c'est moi qui pioche là. Là, tu pioches, ouais. Ok. Ok, ok. Ah, c'est nickel parce que comme ça. Ah, c'est parfait. Regarde, c'est Spizel que j'avais pas, comme ça j'ai toute la suite. Et là, c'est nickel. Là, t'es bien de fou là. Je suis content. Là, t'as une sacrée main là. Franchement, je suis content, t'es fou, je suis content. Tu dois me piocher, mon sauce. Je viens de piocher, c'est toi qui pioche. Ok, mon loup. cette carte te plaît? Je m'en fous. Eh, tout, tu m'en fous carrément. Ouais, c'est vrai. Donc, je sais pas. Il est chez Billy, je pense. Je pense que c'est Billy qui a le gars. Non, je te connais. Frère, la tête d'homme que c'est. Je te connais comme si je t'avais chié. Tu me connais très mal parce que la tête d'homme, j'ai pas le gage. Bah alors, c'est. C'est Billy. J'essaie de les ressentir, en fait. Bah, c'est toi, non ? Et c'est pas. Tiens ! Parfait. Non ! Oh yes ! C'est une feinte. Putain, je risque. On sait tous que c'est toi qui as le gage, c'est. Il est là ou là? Non, mais là, j'arrive pas à me faire des pertes. En fait, non, les gars, je vous dis, s'il est pas là et là, il est pas dans le paquet, donc c'est qu'il y a un problème. Non, mais pour moi, c'est Seb qui l'a 100%. Donne-moi ça, frérot. Vas-y, j'ai deux cartes. Ah, nickel! Voilà, parce que comme ça, moi, pareil, celle-là, je la mets là. Tu l'avais pas non plus? Je l'avais pas non plus celle-là. Mais il y a plus assez de cartes. Ça fait plaisir, en vrai, ça fait plaisir. Attention à ce que tu prends, Billy, hein. Cette carte. Mais tu montres à tout le monde, en fait. Mais c'est toi qui regarde, t'es curieux, je sais pas. C'est elle. C'est elle, hein. C'est celle-là. Mais comment j'ai autant de cartes là en vrai de vrai? C'est clair, hein. J'en ai marre. Attends, mais cousin, c'est un truc de fou. Pitié, fais une petite paire et c'est carré. Ouais, s'il te plaît. Mmh. Vas-y, fais une petite paire. Non, pas celle-là. T'es obligé de faire une paire, t'as tout. Oh, c'est bon. Ouais. Un autre piocher, frérot. T'as une petite toux? Je me sens pas bien. Bah, tout le monde se sent plus. On se sent tous plus bien là. J'ai mal au crâne. C'est toi qui me pioche, t'as pas à mélanger. Ouais. Mais t'as deux trucs, c'est sûr, t'as rien qui me bat avec. Oh, allez, une petite paire maintenant là. Mais attends. Quoi? Me dis pas que. Ah, mais t'as gagné toi, sale bâtard. Ah, mais non. Tu me pioches? Ah, Il faut encore piocher. Supplie, Maxime, je t'en supplie. Il faut encore piocher. Maxime, je joue pas au coup. En fait, si tu fais une paire, tu te sauves en fait. Ouais, il faut vraiment que je fasse la paire là. Maxime, c'est Jesse qui l'a. Le regard que t'as fait là. C'est de l'entertainment. Maxime, tu veux te faire un allié ou pas? Tu veux te faire un allié pour cette journée? Ouais, de fou. Dis-moi que t'as un petit 7. Frérot, en vrai, j'ai un 7. Mais la main. Attends. Ok, vas-y. C'est quoi? On va faire un truc. J'ai un 7. Si je te le donne, est-ce que tu vas me le rendre? Genre, est-ce qu'à un moment, dans les prochaines parties. Je te rendrai l'appareil quand tu seras en danger, je te jure. Vraiment? Ouais. Si tu trahis ma confiance, c'est la guerre, frère. Vas-y, ça marche. Ça va. Non, mais vas-y, moi, tu sais quoi? Homme de confiance. Tu fais confiance ou pas, vous pensez? Bah non. C'est fou, non. Ouais, t'as pas appris de tes. C'est trop bête, je t'avais donné le 7. T'es trop bête, frère. Je crois que sur l'épisode 1, t'as fait la même. Pardonne-moi, mon frère. Il est trop pas grave. Pardonne-moi, vieux père. C'est évident qu'il fallait faire confiance. Oui, c'est évident, regarde ce visage. J'ai écouté les deux démons à ma gauche. Oh là 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 là. Non. Ah, il s'en sort. Nickel. Et donc, c'est toujours pas toi qui as le gage, hein, Jiki. T'as plus de cartes, toi? Si, si, là. Ah ouais, merci. Ouais. Moi, je peux dire un truc? Ah. Comment ça, toi? Je m'as fait peur. Il le droit de prendre, non? Ouais, prends. Il y a plus de bluff. On s'en va les couilles, quoi. Yes! Oh putain de merde! Ah, je voulais vraiment pas lui. Maxime, s'il te plaît. Tu peux me remettre le 7, mon loup? Ah! Mon loup! Vas-y, je te remets le 7, c'est lui. Oh putain, ça, je t'en supplie. Non, c'est pas lui, c'est... le 7, c'est lui. Je sais que tu vas me baiser encore et encore. Oui. Oui, bah oui. Non, je sais. Je vais activer mon super piochage, j'ai dégagé 3 par partie. Déjà? Oui. Je te jure pas sur ce gage, Billy. Ouais, celui-là. T'aurais pas dû prendre sur celui-là. Putain, j'ai fait le con. Oh! Le super piochage! Le super piochage! C'est fou! C'est fou! Bon, toi aussi, t'es sauvé? Ouais, moi je suis. Frérot, non, mais là, je vous en supplie. Non, vraiment, ouais. Je vous en supplie. Bon, bah, pas trop de pression sur celle-là. Tu vois la joue, je reviens. Ah, mais attends, c'est la finale en fait. Là, tu pioches. Soit tu pioches la paire et t'as gagné. Soit je pioche le gage et. Vas-y. Même moi, je regarde pas. Droite ou gauche. Droite ou gauche, je regarde pas. Si toi, tu fais ce gage-là, je me régale. Je regarde pas. Même moi, j'ai pas vu, frère. T'as que deux cartes là. Ouais.
Fais voir, fais-moi voir que t'as deux cartes. De ce que j'ai vraiment deux cartes. Fais voir dans, comme ça que t'as deux cartes. Non. Bah t'es en train de baiser. Non, parce que j'ai peur que tu. Non, t'as mis deux cartes là et une carte là. Et si je. Non, j'ai que deux cartes. J'aimerais voir les deux cartes comme ça là. Frérot, j'ai deux cartes et. De toute façon, tu sais quoi, je relis pas mes mains. Si tu dis gauche, je lève elle. Si tu dis droite, je lève. J'aimerais voir les deux cartes. Non, parce que t'en as la cornée. Non, j'ai rien corné du tout. Tu ressentes l'énergie en vrai. Non, je veux voir les deux cartes. Ne cache rien. Non, je veux voir les deux cartes comme ça. Je veux que tu me les. Voilà. Mais les sur tes deux. Voilà. Parce qu'il les a cornés. Tête mais montre-le que j'ai dit. Alors pourquoi tu veux pas avoir. Regarde. Parce que je veux être sûr que t'en as regarde, pas trois. T'es pas en train de baiser. Comment je peux en avoir trois? Du con, va. T'as une carte, j'en ai deux forcément. T'en as pas mis une de côté tout à l'heure? Et pourquoi faire? Il quand a pu faire ça. Je te connais, frérot. Sur l'épisode 1, j'ai vu tous les rushs avec Mana. J'ai vu tes filouteries. Une carte de côté. J'ai vu tes filouteries. Je sais très bien que tu peux faire. Pour ce moment précis. Je veux voir les cartes. Je veux voir les cartes. Attends, je comprends. Attends, vas-y. Je veux voir votre logique jusqu'au bout. Je mets une carte de côté. Il se passe quoi? Vous savez que le but c'est d'en avoir le moins possible. Bah parce que là, en fait, si t'as trois cartes. J'ai une chance sur 3 de choper le gars. Si, deux, j'ai une chance sur 2. Si j'ai 3 cartes, le jeu il est cassé. Mais non, t'augmentes tes chances d'avoir une paire. Bête quoi, frérot? Il y a que des paires sur une. Il augmente juste ses chances d'avoir une paire et de gagner. Bah oui. C'est le principe du jeu. Il y a pas 3. Mais on va pas recompter les cartes. Montre-moi les deux cartes comme ça. Non, mais il a que 2 cartes. Non, mais ils sont débiles. Il est débile. Mais dis tout ce que je suis con en même temps. Dites-le en cœur. Frérot. Allez, vas-y. Droite là-bas. Yes! Ah non, attends, tu dois reflécher. Ah non, là, tu t'en réfléchis. Et donc y a plus de bluff. S'il te plaît, fais-lui vivre un enfer, je t'en supplie. Ah mais c'est pas fini du tout. Ah c'est pas fini. Je pensais que j'avais gagné. C'est pas fini. Oh non. Maxime, c'est très bien que t'arrives ici. Non. Je remélange. Non, t'es un baiser. Non, alors là c'est mort. Non, c'est mort. Yes. 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 Aïe. Maxime ne le sait pas encore à ce moment-là, mais tout ça va lui retomber dessus. Laissez-moi vous expliquer, on a eu quelques petits imprévus qu'on a dû gérer. Donc Jilcy perd cette première game en face de Maxime. Mais, je vais pas non plus vous en dire trop pour pas trop vous spoiler, mais plus tard dans la vidéo, Maxime perd un gage qu'il ne pourra malheureusement pas faire. Pour la simple et bonne raison qu'il est cardiaque. Donc, comme les parties de cartes sont tournées le matin et que les gages sont tournés l'après-midi et le soir, avant de faire les gages, on a dû se mettre d'accord. Donc Maxime, qui avait perdu un gage, qu'il ne pouvait donc pas faire par sécurité, et moi qui avais perdu ce gage-là, nous avons décidé de les échanger. Et c'est pour ça que le gage un pied devant l'autre sera donc réalisé par Maxime. Bon, allez, mettre un pied devant l'autre. C'est parti. Est-ce qu'on peut m'ouvrir la porte, s'il vous plaît, vite vu? Bon, mec, je t'introduis juste dans ton gage. T'as une nagri. Tu te poses où? Frérot, j'ai aucune notion. On est à la loge? Oh. Non, il va mourir, je te jure. Frérot, ça fonctionne à l'antenne. Ok. Voilà, bouge pas. Okay. Tu fais quoi là? Je vais rester là? Tu bouges pas, tu restes là. Je vais te lever le bandeau en deux spies. Je vais t'expliquer c'est quoi ton gage du coup au final. Oui? Un pied devant l'autre. Ouais. Regarde en face de toi. J'en voilà. Étais sûr. T'es une petite souris. J'en étais sûr, bande de. Tu sais que là, il y a des pics. C'est un graphisme. Gros, il y a des pics. C'est un graphisme. Regarde, t'as pas beaucoup de temps les yeux débandés. Donc, regarde bien. Tu vois en face de toi là-bas? Eh, mémorise ton chemin. Écoute, Max, profites-en pour regarder ton chemin. Mais je peux pas mémoriser un chemin, gros. Regarde bien. Tu dois aller chercher le gros fromage là-bas. T'es une souris. T'es une souris. Tu dois aller chercher ce gros fromage. On va te bander les yeux. Faut que t'ailles le chercher et que tu reviennes ici. Dès que t'auras réalisé. Que je revienne là? Ouais. J'ai une méta. Tu sautes genre là. Je te regarde, je regarde même pas où je marche. Bon, un peu. Bon, je vais peut-être regarder. Tu prends le fromage, tu reviens ici, t'as les yeux bandés. Évidemment, tu te doutes bien, tu vas devoir faire 4 tours sur toi-même quand même. Ah putain. Bah ouais, sinon je suis con un peu dans l'histoire là. C'est bon pour toi? Bah ouais. De toute façon, je te fais confiance. En fait, quand tu vois rien, si tu restes debout sans rien faire, je perds l'équilibre, genre. Écoute, on va te laisser réfléchir à ta strat, nous on va sortir. On est dehors, on a un petit retour, on te regarde et on peut te parler au Toki Walki qui est dans ta main. Max, bon courage. Allez les gars, on va se poser. Allez, à toutes. Salut Max. Max, on te regarde. Tu nous ramènes le clacos. Et on surveille tout de notre côté. Hein. Allez. J'ai trop peur d'avancer, sa mère. Et comme on n'est pas non plus con et on sait que t'es un petit filou. On va quand même te mettre totalement dans le noir pour être sûr. Allez, bon courage. À toi, jeu. En mode, ça change quelque chose que je sois complètement dans le noir. Il a dit ça change quelque chose. Peut-être qu'il voyait pas vraiment. Oui, je pense qu'il voyait vraiment pas. Bon, il s'est pris une. Là, yeah. Voilà. Ça m'a pas touché, j'ai eu peur. Ah, c'est qui parle? C'est qui devant moi? Plus sur ta droite, si tu veux qu'on t'aide. C'est qui est devant moi? C'est Pierre, le cadreur. Ah, oh, c'est génial. Un peu à gauche, un peu sur ta gauche.
Oh non, mais s'il a une grande pince, les gars. Très bien. Aïe, 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 aïe. C'est bon, oh, regarde, souris la grosse, regarde la grosse, regarde la grosse. Oh, oh, il a vesqui de fou. Oh, il a vesqui de fou. Oh, le bâtard. Oh, waouh. En plein dessus. Il est en plein dessus. Là. Eh, vas-y. JT! Ouais, frérot. C'est la dernière fois, écoute-moi bien. Que j'ai sur des projets de merde. Je suis en train d'essayer de voler un fromage, j'ai des putains d'oreilles sur ma tête. Il est quelle heure? Il est 22h, je crois. Il est bourré. 22h, je suis en train de me prendre des tapettes dans le cul. Mais le problème, c'est les oreilles. On peut les enlever si tu veux. J'aime bien les oreilles, je vais pas te mentir. Ah, bah voilà, ah, voilà. Est-ce que tu peux me dire au moins si je me dirige vers le fromage ou pas du tout? Là, t'es trop à gauche, t'as un peu vers la droite. Non, tu l'as donné sur ma portée. Regarde, regarde, il baise, il sait où va. Il sait où il va. Non, il regarde, c'est où il va. Ah! Oui, dirige, droite, du coup. Droite. C'est ça? Non, c'est une cam, ça. C'est le fromage, ça. Ouais, bon, c'est le frometon. Ah, mais je sais, il marche en traînant les pieds. Frérot, tu vas tout droit vers un mur, faut que tu te ressentes plus sur ta gauche. Ouais, il traîne les pieds, il a la méta. Attention, interdiction de traîner des pieds, on lève bien les pieds. Faut que ça soit un pas franc. Oh, il a fait tomber. Oh non, la grosse. J'ai envie de courir, frère, mais en même temps, je me dis. Cours, non, non. Cours. Non. Aïe. Vite, trouve la sortie. Aïe. En fait, on a changé le jeu, faut que tu trouves la porte de sortie pour finir le gage. Aïe. Et du coup, t'es trop loin, c'est un peu derrière toi, sur ta gauche. Aïe. C'est là la sortie? Je suis arrivé? Là t'es au bout de la salle, t'es carrément derrière le fromage, là t'es chassé dans le fromage, il se fraye un chemin de fou. Merde! Ah merde! Les gars! Appuie sur le bouton. Les gars! Les gens, ça marche plus. Il fait genre, il veut qu'on le sauve. Regarde, je vais faire un bruit là. Y'a pas moyen que tu me retrouves les piles. Mais il négocie quoi avec le cadreur? Il est en train de dire un truc là. Max, ça sert à rien de rester planté en face du cadreur, il va pas t'aider. Je crois qu'il est en train de l'embaucher sur Zen, frérot. Il lui dit, mets-moi bien. Mais pourquoi on l'entend plus là? Excuse-moi, j'ai eu un petit souci. Ouais, non, mais on voit tout ce qui se passe. Là, maintenant, il va falloir que tu te diriges vraiment à fond sur ta gauche. Et quand tu dis vers la gauche, c'est genre là, je me vais vers là. Non, là, t'es collé au pupitre de tout. Faut que tu retournes un peu en arrière et que tu ailles sur ta gauche. Et là, je vais à gauche. Voilà, nickel. Oui, nickel. Tout droit. T'es à un mètre de la porte. Lâche-moi! Il s'est accroché à son ongle. Oh putain, je me suis trompé de mur, c'est l'autre mur, de l'autre côté. Tout l'autre côté. Parce qu'en fait, là, l'infrarouge, il a lâché, on c'est voit tout. C'est trompeur quand même, ouais, c'est trompeur. Hein. Et elle dit, si, il a vu de ma mère. S'il te plaît. Elle est où ta putain de sortie? Je suis en train de... Je me chier dessus de nerfs, là. On voit plus rien. Ah ouais, c'est bien. On voit plus rien. Oh la dé. Super, bouge pas Max. Ça a bugué là, on va allumer du coup les lumières et on va le diriger par notre voie de la porte. La sortie elle est horrible. Allez les gars, on sort. Allez moi je prends la porte. Ah bah voilà, parce que moi je voyais cette porte là dans la cam, c'est pour ça le problème. Allez, dernier qui sort, merci. Allez, on ferme la porte et on la reprend. Non, les refs, je regrette. Bon Max, laissez-moi y retourner, j'enlève. Non, c'est trop tard. Je regrette. C'est trop tard. Max, toi, la lumière infrarouge, elle a lâché, donc on t'a allumé la light. On va se mettre derrière la porte là-bas, et avec le son de la voix, tu nous rejoins. Et t'auras fini ton gage, frère. Les refs, je vous jure, je regrette, faut que j'aille l'enlever. Bon, s'il te plaît, elle est où la sortie de vrai? Max, elle est là la sortie. Voilà. Avance. Aïe. Ah oui, il commence à kiffer le concept. Regarde. Non. T'assumes. Ah, je te sauve les choses. Tu assumes tes choix maintenant. Mais je sais plus si je touche des tapettes qui sont sur moi
En fait, on a une. Des tapettes. En fait, on a une accrochée. Accrochée à ton truc, mais du coup, elle peut plus péter. Mais... tout droit, avance, tout droit. Avance, avance. La sortie est là. Avance, avance. Vas-y, 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 vas-y. Aïe. Oh, c'est passé. C'est passé. Ouais. Ouais. Ah. Regarde tout ce qu'il a fait. Tu les as tout esquivé. Toi, les trappes de fou. Frérot, incroyable. Non, ne teste pas. J'ai un peu envie de le faire. Allez, vas-y. Oh, je sais pas si elle fait mal ou pas. Je sais pas si elle fait mal. Elle. Tu t'en es pris. Ça m'encule la malléole, frère. Ah, la malléole. Il est désordonné. Mais non, pas comme mais ça. Non, mais c'est fou. Mais t'es con ou quoi? Ah non, ça, j'ai eu peur, juste. Simplement. Mets le bouton bien là. Ah mais t'es fou. Mais t'as craqué, man. Mais t'es complètement dingue. Les gars, il y en a une de vénère ici qui se met en chaussette et étanche. Max, bravo frérot, t'as réussi ton défi. Merci mon gars. Pas fait assez dessus. Celui-là, il était chaud, frère. Je me suis baisé l'orteil par contre. Bravo mon frérot. Bravo. Bravo, bravo Max. Merci. Bravo, Max. T'as tout assumé comme un roi. Bravo Max. Et on peut maintenant partir sur la prochaine. Mange. Mange. Comment il mélange? T'inquiète. Ça me brise le moral premier degré de tout le temps mélanger en premier. J'ai l'impression que ça va refaire la même chose et 1 et 2 et 3. J'aimerais bien que ça fasse. Non, frérot, si t'as le gage, niveau stats, c'est pas possible vraiment. Y'a Schneck la bite qui distribue là. Les pères, c'est ça? Ouais, ouais. Putain, j'ai deux rois. C'est moi et Maxime. T'avais pas de barbe à l'époque. Non, c'est quoi cette main de maudit? Ah non, c'est moi. Moi, j'ai que deux cartes là. Ah ouais? Ouais. Simple. Simple. Non, c'est moi qui pioche chez toi. Et on garde le même ordre. La deuxième partie, c'est Billy. Troisième partie, c'est Sansa. Ah bah oui, du coup, oui, je pioche pas là. Ouais. Je vais voir si je peux te faire confiance. Pff, quel connard. Tu m'as pas dit 7? C'est obligé que t'as un 7 là. Merde. Mais frère, c'est encore Jessica le gage, la vie de ma mère. Non, non, là par contre, je te jure que non. Mais arrête de jurer, frérot. À chaque fois que tu jures, c'est pas vrai. Bah, pourtant, à chaque fois que je jure, c'est vrai. C'est ça le problème. Ah ouais, c'est au dernier moment, tu le chopes. Pas de père, oui, c'est bizarre. Pas de père, ouais. Pas de père. Pas de daron, genre. T'as pas eu de père? Ah oui, non, si, j'ai une paire là. Je crois qu'on parle d'autre truc. Ah, t'as une paire? Oui, là j'ai une paire. Ah, t'as... il a vraiment pas de paire. T'as un 10 ou un 9? Que je sache si j'ai un enjeu à piocher. Oui, bah j'ai un 10. Ok. Vas-y, il va te baiser la gueule. T'es vraiment trop con. Écoute, hé, regarde. Espèce de con. Bah ouais, tu vois. Ça marche pas avec moi. Ok, vas-y, tu peux. Mais c'est là, quoi? Attends, mais cousin, il regarde tes cartes, il a sans problème. Il a pas ah oui, non, mais non, mais il pioche pas chez toi. Je vais remélanger, mais il a pas le droit de faire iiii. Putain, il va te faire enculer. Tu sais que t'avais pioché la bonne carte et vu qu'il a fait iiii. Mais c'est une folie, c'est le seul le... que j'ai. Tout le reste, j'ai pas. C'est dans l'ordre. Ouais, c'est nickel, non. Putain, c'est, je sais pas toujours. Régale-toi. Mais c'est chiant là. Voilà. Je l'ai pas changé de place. Tiens. Non. Oui. Quoi? Oh, quoi? J'ai un bracelet. Moi, ça commence à me faire chier là. Ah voilà, j'ai enfin une paire. C'est Billy qui a le gage. C'est Billy qui a le gage. C'est Billy qui a le gage. Je peux prendre safe. Non, je vais prendre safe. Je te le mets plus propre. Attends, je me mélanger. Ça se passera pas comme bizarre, ça. Bizarre, tu voulais pas que je repioche la dernière carte. Ça bizarre. Se passera pas comme ça. Est-ce que les gages ils sont crescendo? Genre, la dernière manche, ça va être celui qu'il faut pas. Ouais, ok, chiant. Tu me fais confiance ou pas? Ouais. T'es sûr? Tu vas pas au dernier moment? Frère, en fait, si tu me fais pas confiance, t'es baisé. Sûrement. Frérot, je suis un anarchiste. C'est toi qui vois. Je te baise et je suis avec celle. Donc tu me fais pas confiance? Donc tu prends pas celle-là? C'est toi qui vois. Celle-ci. Vas-y. Ah, vas-y, ah, frérot. Là, moi, je tentais un truc avec toi. Tu peux me faire confiance, tu le sais. Tu veux que je te viscère quoi, Seb? Pourquoi? Jamais dans les alliances, moi, par exemple. Je suis crevé, là. Putain, t'es une merde. Mais je te dis, frère, il a baisé. C'est vraiment une merde. C'est pas moi qui ai pété, c'est lui. Mais c'est pas la question. Attendez. Bah, allez, au moins une petite paire, un truc, là. T'as besoin de quoi, idéalement, là? J'ai besoin d'un roi ou d'un as. D'un roi ou d'un as. Je te donne un as ici.
c'est toi qui décides. C'est toi qui décides, tu me fais confiance ou pas. Ah, tu me fais pas confiance, je comprends 100%. Tu me fais confiance, bah tant mieux, et tu montres, je te montre que vas-y, on est bon. Ça revient au même parce que je vais te prendre une carte et t'en rajoutes une. Donc mec, tu prends pas beaucoup de coups de risque de voir si c'est un si, traître. Il me crée une paire. Bah là, je te crée en vrai, je suis à un stade du jeu où je peux me permettre de la tenter. Bah ouais, je te, bon, je te fais confiance, t'es mon frérot. Allez. Tu me baiseras jamais. Bah voilà, t'es trop con. T'es trop con, frère. Bah oui. Qu'est-ce que t'as ? Frérot. Non, je te demande plus, ça fait deux ouais, fois que tu me baises. J'allais dire ça en fait. Je te fais pas chier, j'allais dire ah, frère. Voilà, voilà, tu vois, dès que je parle plus. Régale-toi. Allez, une petite paire maintenant. Voilà, merci. Voilà. Je fais plus de confiance avec toi, tu te démerdes, tu fais ce que tu veux. Putain, fais chier. Ça, c'est la danse, toi qui vois. Ça fait trois fois que j'essaye, et trois fois je t'aurais donné des paires. Là, tu me fais pas confiance, mais tant pis. Non, mais c'est bon. ça me fait peur. Vas-y frère, fais ton jeu. Ah, vas-y, prends celle-là. Seb, je vais provoquer ta chute, je te dis. Hey, t'as pas vu mes cartes par hasard? Il a vu mes cartes ce matin. Il a vu mes cartes. Putain, j'ai rien ça. Je retente un coup, t'as besoin de quoi? Un as, un big as. Je t'en supplie, mon frère. Tiens, nique ta race un peu. De toute façon, j'ai une paire de rois. J'ai une paire de rois. Putain, merde. Bah, tu es reculé. Vas-y, finissons-en. Waouh, t'as deux cartes là? Ouais. Je resterai sur la droite. Je sais pas pourquoi je restais sur celle de droite. Arrête, t'as pas le droit de regarder la prod. Je vois pas la prod, je sens les cartes. Bon bah il a le gage du coup. Allez Seb, écarte-moi tout ça. Je retiens que tu m'as couillé à... Non, ça, 4 fois je t'ai proposé un truc confiance, non. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Mais j'ai besoin d'avoir... T'en as que deux? C'est une autre manière de le présenter. Ouais, c'est déstabilisant. Ok. Putain, toujours pas de paire, sa mère, ça me rend malade. T'as besoin d'un as toi, c'est ça pour finir? Ouais. Non, je suis dégoûté. Parce qu'il y aura plus de confiance. T'aurais pas remélangé? Ouais. J'aurais pioché le gage. Là, t'as remélangé. Je vais piocher ce putain d'as parce que je vais activer. Tu peux pas faire 32 fois, t'avais dit. Si, je vais saigner du nez peut-être. Mais je On peut mettre du montage en montage, t'emmerdes pas. Ouais, parce que. En montage, mieux. Ça sera mieux. Ça sera peut-être mieux, ouais. Ok. Ça sera mieux. Ouais, tu fais pas chier, encore. Tu sais très bien où est mon as. Oh. Waouh, je suis trop chaud. Frère, c'est bluffant ça. Ça c'est bluffant. Je suis trop chaud. Je suis dégoûté. T'avais le droit qu'une fois, t'avais dit, de l'utiliser le pouvoir. Ouais, mais vu que c'était il y a 2 ans, je me suis entraîné. C'est pas il y a 2 ans, les gars. C'est à 2 piges. C'était il y a 2 ans. Ah ouais, putain. Seb, tout repose sur toi, s'il te plaît. Arrêtez, là c'est un vex d'être tout seul dans le délire. Frérot, c'est ta vidéo, c'est toi qui as voulu nous mettre dans la merde. Vous avez c'est dit un oui juste retour des choses. Mais parce qu'on t'aime bien, mais on n'aime pas ça. Je peux que faire une paire maintenant là. Mais vaille. Seb, on est sur une run incroyable. Ce serait fou. Ce serait Fais-le 2 sur 2, je t'en supplie. Frérot. C'est de la psychologie. Il remélange. Dès que vous ferez ça, je remélange. Dès que vous ferez ça, je remélange. Dès qu'à chaque fois qu'il y a un truc contre moi, je remélange. Sache que t'es trop con, t'as refait les mêmes erreurs encore et encore. Il allait piocher le gage, eh oui. T'as changé le cours des choses. Tu sais pas où il allait piocher. Si, parce qu'il voulait que j'aie le gage. Et là, tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre L et tu vas être dégoûté. T'es sûr que tu vas prendre L? C'est ça qui va se passer. T'es sûr que tu vas prendre L? Non. Ok. Bah t'as touché en soi. En tout cas, je t'ai bien baisé. Non, reste sur ton premier choix. Let's go! On l'a baisé! Yes! Attends, mais c'est pas possible! Même les gens ils veulent vous voir non, faire non, des non, trucs! Mais non, les gens ils veulent tes actions! C'est CRC! Attends, c'était quoi le gage? Passez l'éponge! Passez l'éponge! Messieurs, dames, voici toute la merde! Toute la merde qui existe. Que Sid va devoir nettoyer. Là, évidemment, il y a la merde de Max. Mais les gens, ça un pas peu encore. De mie. Ils ont que le éponge. Ah, ils ont pas compris encore. Là, ils ont pas encore tout. Là, vous avez l'idée. C'est moi l'éponge, les gars. Appréciez quand même la prod qui a fait les deux côtés de l'éponge. Tu peux dire aux gens la température qu'il fait? Il fait combien? Il fait 1 degré, 2 peut-être là? Regarde, vas-y, souffle, regardez. Il fume pas là, c'est juste qu'il fait là, froid. Là, je fume, hop là. Il fait froid, sa mère. C'est quoi cette tenue de troubadour? Mais c'est une éponge.
Ah ouais. Le côté absorbant, le côté gratteur. Les amis, l'éponge, on fait quoi? On la mouille. On la mouille d'abord. Avec du savon. Donc il y a une piscine avec du savon et de l'eau. Ils ont fait attention à ce qu'elle soit glacée. Ouais, ouais, ouais. Et après, tu nettoies frérot, toute cette merde. Frérot, tu nettoieras ça, s'il te plaît, aussi. Ouais, voilà. Et frérot, il y a vraiment des morceaux de... Il y a du maïs. Mais toi, va te faire foutre, toi. Ça, c'est fou, ça. Frérot, en vrai de vrai... Cousin, frérot, il y a du maïs et tout. Genre, ouais. Moi, je veux... Mais ça me dégue de fou. Je veux voir le truc clean. Tu nettoies cette merde là. Ah, ça me fait chier. Allez frérot, en vrai, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que c'est pas toi qui va le faire. Ok, mais c'est qui l'éponge? Bah c'est toi l'éponge, ouais, voilà. Mais t'as pas besoin de faire des trucs, tu vois, c'est vraiment... T'appelles comment frérot? Adrien. C'est Adrien qui... Adrien. Qui mène la barque. Mais ça y est toi, tu veux pas chier dans le fond aussi? Bah il a pas... C'est haut. C'est hyper haut. Et après il me lâche comme une éponge. T'es pas hyper... T'es pas hyper sécurisé pour monter si haut. Regarde, regarde, ça te regarde. Tu vas te casser là? Mais mec, j'ai deux gages en un là. Et tu voulais prendre l'éponge, Maxime? Bah... Frérot, c'est vraiment celui que je voulais pas. De tous, c'était lui. T'as pissé? Putain, mais les gars... Pierre, il a chié. Si, tu peux faire un petit message émotion, mais tu regardes la cam. Écoutez, c'est pas parce que vous vous retrouvez par terre... Tu peux faire une dédicace à mon cousin Salim aussi? Salim, le cousin de Billy, frérot. Merci pour la force. On peut le monter, hein, n'hésitez pas, hein. Oh, on peut y aller, hein. N'hésitez pas, ouais, ouais. Ouais, voilà. C'est super éponge. C'est haut de ouf. C'est super éponge. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Mais c'est super haut. Incroyable. Let's go. Ah, faut le mouiller d'abord, attention. Allez. Oh, il crache. Ah non, non. Ah, oh, il vise bien Adrien. J'ai peur qu'il fasse avec les pieds, pas tout. C'est son taf, hein. On a plé sous l'eau. Laisse le bien au fond, plaqué au fond de l'eau pendant longtemps. On y va. On nous le fout sous l'eau pendant une heure, là. Ça a l'air froid. Tu peux rien faire, ça vient d'un coup. Putain de merde. Sous l'eau, let's go. Ah, tu peux rien faire, ça vient d'un coup. Éponge-toi. Oh, tout est rentré dans la copie, tout. Tout est rentré dans la copie, tout. Allez, let's go! Lave-moi la vue! Ah, j'ai glacé! Frérot, j'ai une... Pour moi, c'est déjà le gage là! Ah, hein. Oh, c'est horrible! Allez, nettoie-nous ça! Il a craché là! Nettoie-nous ça, let's go! Ok, je vois qu'il reste plus rien! Et c'est reparti pour un tour! Putain, mais le logo Apple, il est sous la terre et tout! Tu cafouilles la merde! Nettoie! Oh, tu nettoies! Ouais, tu nettoies bien par contre, si tu nettoies! Voilà, nickel! Ah, oui. Ouais, on frotte bien comme ça! Ça nettoie de baiser. C'est un peu drôle. Génial. Ah, je suis classé, frère. Waouh. Waouh, ouais. Bien, ouais. Ça tue. Ah là, c'est bien ça. C'est voilà. Bien ça. Oh, ça marche bien, ça marche bien, ça marche bien. Ouais, c'est bien là. En fait, ça pourra pas bien nettoyer parce qu'il n'y a plus assez d'eau, je pense. T'es immonde. T'es terrifiant, frère. C'est le remet dans l'eau. Non, c'est le pire gage. Non, t'es terrifiant, frère. Oh putain de merde. Oh ça. Oh là là. Il fait 5 degrés. Vas-y, oh secoue-toi un peu. Comme ça la nettoie. Voilà, c'est bien ça. Ah bon, ouais, ça nettoie. Il commence à me perdre la peine, le fake. Ah mais c'est le grec du mec de la régie de tout à l'heure là. Ouais, je pense. C'est génial. Voilà. Ouais, bravo. Elle est bien celle-là. Voilà, tu amènes pas mal là. C'est bien, c'est bien. C'est bien. T'es une belle éponge. Adrien, t'as pété un plomb. Ils sont endormis sur le clavier. Ah, ah oui. Là, c'est l'initiative d'Adrien, là, de me refoutre dans l'eau. Là. Bonne initiative. Ah putain. Je pense qu'il a pas kiffé quand t'as dit qu'il a pété un plomb. Il a mal pris. Il t'a remis dans l'eau. Ouais, je pense qu'il l'a mal pris. Il se fait péter dessus alors qu'il est en éponge, plein de crasse. Franchement, faut pas avoir trop d'ego là. Ah bon, tu vois, faut pas avoir trop d'ego. C'est super éponge. Là, je me régale là. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il y a une écriture au sol, mais on voit pas quoi. Nettoie là. Nettoie. Wow. Je commence à kiffer. Adrien, nettoie-le un peu. T'es noir. Et ça te dégoûte ça? Attention, hein. Non, mais le de corps. Ouais, bah oui, ça marche aussi. Hein. C'est un peu longué là, non? Allez, c'est la dernière là. Comment il goûte après, ça me tue.
Allez, allez, si, allez. Je suis gelé, frère. Je suis là pour t'encourager. Je suis gelé, cousin. Là, là, je vois pas le logo, là. Il manque ça, là. Ah, là, on comprend mieux. Ah. Mais c'est Billy, là, qui ah, continue. Ah, là, c'est Billy. Mais ça va. Con, là. Billy, tu m'emmerdes, là, c'est chiant. Billy, s'il te plaît, mets-le derrière la palissade. Ah, là, il capte comment ça marche. Il fait des là, tests. Il s'entraîne là. Il ouais. fait des tests, mais sur un humain. C'est trop lourd. Je contrôle un être humain. Billy, quand tu veux, pour que je nettoie. Oh, waouh, waouh, waouh. Wouah. Ok, on va aller le baisser de l'autre côté. Il a la dégaine d'être grutier, lui. Bien joué, Billy. Mais je suis plus dans la map. Je suis plus dans la map. Vas-y, descends-le. Descends. Descends derrière, on peut plus le voir. Y a quoi derrière, Sid? Y'a rien, hein. Attends, viens, on attends, mais cousin, mais il va me baiser. Attention. Ah nous ramène oh, oh la barrière. Attention, il y a des putains de barrières. Mais il est malade. Je vais le mettre sur le chapiteau. Il l'envoie sur le chapiteau. Mais c'est plus du tout le gage. Faut nettoyer le chapiteau. On perd le contrôle, là, il n'y a plus de gage. C'est le meilleur truc que j'ai fait de ma vie. C'est le meilleur truc de toute ma vie. C'est incroyable. Waouh. Oh, les à-coups. Ça va? Bah ouais, mais j'ai pas fini, quoi. Bah franchement, on voit bien, là. Billy, rince-moi un peu, ça dégouline, là. Ouais, je t'emmène. Oula. Il a tenté. Oh non. Oh non. Oh non, je suis dans Interstellar. Oh. Ah, il m'a bloqué une couille. Ouais. Ah. Bien. Laisse-le un peu dans l'eau. Oh, j'ai perdu connaissance. Et attends qu'il gueule en mode wow. Mais ça y est. Ah, vous en pensez quoi de votre journée? Bah écoute, ça va. Hein. Billy, je caille. Il a froid de fou, le pauvre. Après, faut l'enlever, le pauvre. Il va geler, là. Ça fait une heure qu'il est là. Encore, si, attends. Les tuiles, elles tiennent bien. Encore. C'est encore. Le prochain. N'écoute surtout pas la prod. C'est génial ce que je suis là. Alors, est-ce que ça y est, t'as passé le gap du froid? Ah, je sens plus rien là. T'es bien là? Merci beaucoup en tout cas, c'était trop bien. Cette vidéo est sponsorisée par Appen. Vous l'aurez compris, tout est dans la description. Wouh! On pourra passer à la prochaine manche. Je pense que le logo est nettoyé. À qui le tour? Je suis KO. L'eau elle est noire, c'est là. Bravo, ça va. Les avis. La troisième, je vous en dommage suis que ton braille n'est pas assez long, tu voulais le mettre ouais. jusqu'à JC. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, tu voulais pas, mais tu voulais pas m'exclure, je pense. Eh, la quatrième, je m'en fous, ça tombe sur l'un de nous. Vas-y, faut partager oui, un peu. Oui, c'est le jeu, en fait, c'est le principe. En fait, c'est le concept. À la base, on s'en fout. À la base, on s'en fout que ça soit. À la base, on est bon pour les tout gars, la troisième, je la sens, elle est pour cible. Ceux de la vidéo d'avant, tu les as tous fait, non? Trois, il l'a fait. Et lui, il en a fait un trop cool. J'en ai fait un où j'ai trop kiffé. Ah oui. Il n'y a fait aucun enjeu. Quoi? Attends, non, mais si, tu vas mieux mélanger, frère. Mais c'est Max qui a mélangé. Moi, j'ai mélangé et j'ai fait un par un. On peut regarder, je te jure, c'est vrai. Mais c'est une D. Non, c'est une D, là. J'ai pas de peur. Je m'en bats les couilles, on refait. On est non, sur la partie de ce siècle. Non, 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 frère. Non, la vie de ma mère que non. La vie attends, de ma mère t'as que qui non. Pioché chez qui? La vie de ma mère que non. T'avais pioché? Là, c'est à moi de piocher. T'as besoin d'une paire? J'en ai zéro. Regarde, écoute. Frérot, j'ai pas une paire, j'en ai pas une. J'en ai pas une. J'ai une fois d'avoir autant. Non, j'en ai pas. Niveau stats, ça peut pas être toi. Non, non, écoutez. Niveau stats, vu tout ce qu'on a enlevé, c'est pas toi. De quoi c'est pas toi? On peut jouer, t'as pas le gage. Mais je m'en bats les couilles, frère, vous avez, dans deux secondes vous gagnez tous là. Je pense pas. Je m'en bats les couilles, on refait. Justement, t'as tellement de choix, moi, alors que moi mes choix ils sont restreints de ceux dont j'ai besoin. Tu te souviens le paquet de cartes qu'il avait Max au début? Et ça s'est retourné ouais, après c'était. Ça veut rien dire. Bon, allez, on va la jouer. Tu te retrouves avec une carte direct là. Ouais. Mais du coup, ça va être dur d'avoir la bonne. Là, c'est sûr, j'ai des paires par contre. Normalement, j'ai des paires dès que je paye. Après, lui il a tout. Je sais que t'as tout, donc tu vois, si par exemple ça c'est un 9, parfait. Oh! Quoi? Mais non, mais là, les gars! Oh, là, frérot, c'est entre eux qui font ça, quoi! Les refs, venez, venez, on va poser une merde une bonne fois pour toutes.
Je vous en supplie. Je vous en supplie. T'as déjà ce jet de 20? Bah t'as besoin de quoi? Un 10. Non, en vrai non. Eh, te reste une carte? Ouais. Oh, ça fait joli. Je t'avais fait peur, c'est quoi? Il est insolent de fou. J'ai forcément des paires. En vrai, il commence à être bien, Gilles, là. Quand il y en a une et une, je suis bien plus fou, là. Marche. Est-ce que tu vas donner une paire de rois? T'es bizarre, quoi. T'as pas ce que j'ai. Et là. Après, ça peut t'aller, je pense. Faut qu'elle fasse brain, brain, brain. Non, pas là. Mais après, c'est dur d'avoir qu'une carte. Ouais. Mais c'est dur, t'as vu? C'est chiant, une seule carte. T'es bloqué, quoi. Bah oui, j'y attends. T'essaies de me refourguer quoi, sale chien? Regarde, au final, il descend. Hein. Marche Marche Qu'est-ce que t'as? Il a le gage. Les gars, il a le gage. Je viens de lui donner, il a le gage. J'ai mal au crâne. Je suis pas sûr de pouvoir faire la fin du jeu. Ouais, tu vas la faire, mon grand. Ok. Je peux te garantir que tu vas la faire, cette fin du jeu. Donne-moi ce gage. Je fais le serment de le refaire voyager jusqu'à Jilsi. Pourquoi? Pourquoi? Mets-le moi, je le prends. Vas-y. Franchement, ce serait fou. Ça me reste un peu avec moi, toi, je t'en supplie. Oh, il a baisé. J'ai vu le roi. J'ai vu le roi ou la dame, là. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais je voulais pas te baiser. Hein? Tu voulais te baiser. Bah oui, il voulait te baiser. Tout le monde va te baiser dans cette game. C'est ça que tu captes pas? Tu crois que vous êtes tous contre moi? J'étais sérieux, passe-moi le gars, je le refais. Je pensais que tu voulais pas vraiment. Si. Mais frère, c'est pas dit que ça, mais le chef là, tu peux vraiment t'enculer ta game là en faisant ça. Vous trichez au bout d'un moment. Le gage est là. Bon, allez, tu prends le gage et puis. Ouais, voilà, bah je prends le gage. On passe au truc. Puis vous regardez faire des trucs. Et puis voilà. Ok. C'est ça qu'il me fallait depuis le début. Ça joue entre toi et moi là. Non, y'a moi. Ah oui, putain, t'es là. Mais il se met bien ce bâtard. Ah, bon, je m'en fous de toute façon. Tu t'en sors bien. Franchement, ouais, j'y croyais pas là celle-là. Bah après, c'est pas fini, attention. C'est pas fini. Ah, je suis bien là, c'est bien, fini. Pioche-moi cette putain de carte. C'est à nous deux, mon grand. C'est fini comme ça? Ah non, carrément, c'est fini. Oh putain, yes! Je croyais y avait un celui-là, truc. Celui-là, il est dur. Aïe, 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 aïe. Coup dur pour Jilsi. À ce moment-là, il ne le sait pas encore, mais le gage que Maxime n'a pas pu faire car il est cardiaque, eh bien, c'est celui-là. Et donc, le gage donné un cours d'anatomie sera effectué par Jilsi. Un. Bon. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va? Bon. Je vous laisse procéder à l'explication du cours. Bonjour à tous. Je me présente, docteur Bills, avec mon assistant, docteur Schweppes. Et bah, je te laisse te présenter. Schweppes. On va vous faire un petit cours d'anatomie aujourd'hui sur les organes. Voilà, vous êtes à l'école pour étudier. Qui connaît les organes par ici? Excusez-moi, j'ai un Covid long. C'est bon? Ouais, excusez-moi, pardon. On va attaquer avec le premier organe. Qui a déjà fait médecine par ici? T'es con ou quoi? Bah, ils sont en études de médecine là, non? Ils sont aussi cons que toi, ils ont pas levé la main. Personne n'a levé la main. Écoutez, on va commencer par les tripes. Comme vous le savez, quand on dit quelqu'un il a pas de tripes, c'est qu'il a pas de courage. On va voir si notre patient Jilsi... Ah, on a oublié de présenter le patient, c'est notre patient. Ah oui, c'est vrai. C'est patient. On va voir s'il a toujours des tripes, donc du courage. En fait, ce qui est très important, mais vous allez avoir ce cas souvent en médecine, c'est que des fois il va falloir taser des patients. Bah, du coup, je vous explique comment ça marche. On allume et là, directement, on a vraiment la petite flamme. C'est assez impressionnant. On le pose directement sur le patient. Par exemple, pas sur le téton, parce que vraiment là, ça fait mal. Lui, et c'est tout. Bon, lui, ça y est. Lui, ça y est, ouais, c'est bon. C'est bon, on va pas le faire. Non, on va pas le faire. C'est pour ça. J'explique. Je dis juste, non, mais j'explique aux gens où faut pas le faire. Les tétons, les yeux, là, on fait pas, on évite. Là, on peut. Mais c'est pas bien de le faire. Ça sent cramé un peu. C'est parce que c'est troué. Voilà, c'est troué. Donc vous voyez ce que ça peut faire. Ça, c'est mieux d'opérer à nu. Ça a troué le truc. Attends, je vais essayer de faire là comme ça. Non, mais sans toucher. Ça troue, clairement. C'est du. Ouais. Bon, bonne chance. Non, mais c'est rien. C'est rien parce qu'on va leur expliquer, docteur Kiabi. Alors, finalement, en fait, comme vous le savez, quand quelqu'un meurt, on peut le réanimer en lui faisant des électrochocs. Et en fait, ça donne une dose de bonheur. C'est pour ça qu'on revient à la vie, on est trop content. Et du coup, tous les électrochocs qu'on va lui faire faire, c'est vraiment des doses de bonheur, d'accord? Là? Un peu. Là? Ouais, parfait. Encore un tout petit peu vers toi. Je t'aimais bien là, hein? Il y en a de la petite salopard. Ah, c'est bon. Mais t'es content d'être à ta place, hein? Ça va. Ça va pas.
Ah. Moi, je propose que les gens viennent, s'ils touchent, ok. Hop, t'envoies. Vas-y, ouais, on va faire ça. Ouais, mais je veux le jeu au max, hein. Je vous montre pour le principe. Docteur Maboul, c'est très simple. Si ça fait... Ah, ah. Ça tasse. En fait, l'idée, c'est de pas toucher, genre. C'est ça. Tu choisis la zone de... Bon, bah. C'est au niveau d'ici. Ouais, il a touché là, quand même. Mais c'est toi qui voulais essayer. Ouais. Tu veux vraiment le faire? Bah oui. Enfin, si tu veux bien. D'abord, je t'emmerde. Ok. C'est pourquoi j'ai confiance en lui. C'est okay. Parce qu'il ressemble au filtre de l'IA, là, des années 90. Là, c'est chiant. Ah, là, par contre, ouais. On va commencer par le cœur. Médicalement, le cœur, il a cette forme-là. Tasse le maximum, c'est bon, bah voilà. Ça fait mal, ça? En vrai, ça va. Ça va. Non. Ah, attention, cœur. Attention, si tu te trompes. Là, bah, là, ça peut être une fin de tournage. Ah, c'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, vraiment. Et mets lui une petite dose de bonheur dans le cœur, là, s'il te plaît. Allez. C'est en pleine tête, mon pote. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de tolérance. Allez, ok. Allez, le téton. Le téton. Le téton, Mike. Le téton. Le téton. Mais on peut pas faire un peu sans ça, là? Vas-y, vas-y. Mets juste là, voir. Ah, donc là, c'est gratos, quand même? Non, 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 c'est pas ça. Là, il y a plus de cours, en vrai, là. C'est pire, celui-là, j'ai jamais vu ça. Ok, je vais noter. Ok, mais c'est très bon, regarde. Je vais pouvoir faire Dr Maboul en vrai. Donc tous les coups sur le cœur, quoi, tous. Non, mais là, tu vois, par exemple, je fais le cœur ici. Okay. Ah, tu fais le trou direct. Ouais, ça tue. Ah, bien vu. Ça tue. Et ouais. On va directement passer à la suite du cours. C'est très simple, je pense à un chiffre entre 1 et 5. C'était 6, du coup, on va lui mettre 6 coups de taser. Est-ce qu'il y a un endroit, par exemple, particulier où t'aimerais peut-être expérimenter la zone? J'aimerais bien un sur le genou, vraiment. Oh putain, le genou là, ah ouais, il marche bien le genou. Après, on peut faire. T'es prêt ou pas? Ok, là, je vais te demander de te concentrer. Il va y en avoir 5. Alors là, il y en a eu 2 déjà. Il y en a eu que 1, il y a eu genou. Ouais, là, tu viens d'en faire là, sur mon bide là. Il y a 1 seconde là. J'ai pas fait exprès. Il a compté. Bon, bah, je te fais plus que 4 alors. T'es prêt? Tu bouges pas? Ouais, je bouge pas. Ah, c'est plus simple comme ça. C'est plus simple? En fait, je reste tout le temps en contraction et c'est plus simple. Tu peux tester, monsieur Kiavi? Alors, un grand plaisir. La médecine, c'est du plaisir. Je vous ai pas encore autorisé, il me semble. Oui, puis-je, monsieur? Oui, bien sûr. Tu peux te contracter? Ouais. À fond, déjà, comme quand t'as mal. Tu m'en fais beaucoup. Et tu me dis si ça te fait moins mal. Ok. Non, non, je t'en fais un. Ah, ça, non, ça me fait plus mal là! Ok, je note. Ok, bah écoutez, on va poursuivre le cours, on a bientôt terminé de toute façon. Mais. Il n'y a jamais eu. On n'a pas enlevé de. On n'a jamais joué au jeu. C'est vrai, mais je vais appeler un autre étudiant à la barre. Toi, par exemple, mon frérot. Je vais t'expliquer un peu à quoi ça sert dans le corps humain. Donc là, ici, t'as les côtes. Tu vois les côtes de. Ah, peut-être pas les côtes de porc, mais. Tu vas juste essayer de l'enlever. Et après, on va lui faire du sale. Inch'Allah, si tu rates. Oui, carrément. On va lui faire du sale, Inch'Allah, il est dit. Avec l'aide de Dieu, on va pouvoir le niquer. Faut pas rater, il va t'en vouloir. Rate pas, s'il te plaît. Oh. Mais c'est pas ce côté, c'était le gauche là. Ah merde, putain. Non, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Qui veut? De toute façon, c'est Docteur le... Schweppes. Docteur Schweppes. Non, mais plus ça. Non, mais Docteur Schweppes. Pardon, je moi j'ai pas le diplôme. D'essayer au moins un coup. Oui. Si vous pouviez me guider. Ok, froid. Chaud. Ah, il fait des yeux fermés du coup. Chaud. Ça va être un peu complexe, je vais pas te mentir. Chaud. Peut-être il y arrive en vrai. Chaud. En bas. Ouais, là, voilà, droite. Y'a rien dedans. Et descend, là, descend. Y'a rien dedans là. C'est bien. Ah, c'est dommage. Bon, j'ai tenté. Hein. C'est bien endroit. Oh. Ah, mais ça. Ah, celle-là, ça tape enlever le pied là. Quand même, là, c'est le pied. Ouais, là, c'est le pied là. C'est grave le pied. Désolé. C'est le pied là? Ouais, mais y'a une chaussette, on va faire là. Oh là là. C'était là, hein. Bah, y'avait un petit peu là aussi. Là. Vous avez. Ça a bipé là. Je pense faut lui donner sa dose de bonheur ultime et après, c'est bon, on peut le libérer. Sid, théorie. Là, on se fait percer, tu vois. Ouais. Et on sent rien. Oui, ça va. Ouais, mais c'est pas de l'électricité. Oui, mais on doit vérifier ça pour la science. Ok, bon. C'est à cours de médecine avant tout. C'est pour la science. En cours, hein. C'est pour la science. C'est pour la science. Ah, Zoul. Ah, j'ai la rêve, j'ai la rêve. Ouais, il est drôle le même. Il est drôle. Ouh. Oh là là. Ah ouais. Ah, c'est monté au cerveau là. Note. Je vais te dire que. Voilà, bah, c'est la fin du cours. C'est tout. Je pense qu'on a appris pas mal. Je vais essayer de vous libérer avec le... Oui, avec le... Moi, je suis persuadé que je peux vous libérer comme ça. Oh, waouh. Si, ça marche bien. Ça marche? On va foutre le feu à la barre, ça. Oh, je te jure, je suis sur un truc. Oh. Yeah. Moi, les amis, je mélange par petits tas, comme bon, ça. Bon, je vais le faire, t'inquiète. Te fais pas chier, je vais le faire. Fais 4 tas, voilà, comme ça. Ah, là, voilà. On a toutes les cartes. Putain, mais c'est chiant, là.
Arrête de regarder les cartes, toi. Je regarde pas les cartes, je regarde ses mains. Il y a quoi dans les mains? Des cartes. Ok les amis, j'ai très mal mélangé, donc cette manche elle va être forte en chocolat. Oh là là, j'ai un triplé. Du coup c'est toi là, on pioche chez Max. Moi. Non, Max pioche. Ah, Max pioche chez toi. Max, là tu prends Gérard. C'est moi, je sais pas, je fous la merde. À chaque fois c'est toi qui sens tout le sens. T'as besoin de quoi mon sauce? Bah c'est toi qui pioche. Ah ouais? Ça marche. Aïe aïe aïe, c'est une gage. Si c'est une gage, ça. Je l'ai vu après la carte. Ouais, c'est pas un gage. C'est une carte de merde. Ouais. Ah, chiant. Hein. Génial. Ça te régale? Ça me régale, frérot, ce que t'es en train de me faire. Les gars, oubliez pas cette run de fou sur laquelle. Ah, yes, yes. Quoi. Arrête, ça à toi. Celle-là, je la sens bien, mon pote. Ok. On a vu l'as. Hein. On voit vraiment tes cartes à chaque fois. On voit tes cartes. Ouais, tu feras gaffe. Elle est tendue cette partie un peu, non? Tu mais... peux les mélanger? Encore? Tu les as placées, là. Ok, nickel. Ça va te faire une perte, normalement. Je pense pas que ce soit le gage. Je pense qu'il est quelque part ailleurs, le gage. Je sais que t'es un gentil, toi. J'ai pas de pire. Non, vrai, j'ai mes... fort, fort. Là, bien joué, bien joué, bien joué. Tant que j'ai mes cartes dans les mains, moi, je parle plus, je suis... Allez. Attention, attention, vite. Crie pas victoire trop vite. Hein. Non, je crie pas victoire, mais je vais... Frérot, je kifferais faire une alliance avec toi, mais malheureusement, c'est tendu. De toute façon, vu le nombre de cartes que t'as... Montre-les bien. Regarde, t'en caches. Pardon, excuse-moi. Elle peut te plaire. Putain! Sérieux? Non, mais je te jure, genre, j'ai aucune peur. Ah, putain, moi aussi, je me remplis. Donne un truc, plus, donne un truc. T'as besoin de quoi? Un 10, t'as pas. Bon, j'ai pas. Donne ouais. Ce que tu veux. Je te donne ça. Bon. Non. C'était what? Ah, Billy, je te sens un peu stressé, là. Qu'est-ce que t'as, Billy? Je te détends. T'es tout rouge, là. Ok, je vous poucave tout, j'ai le gage, voilà. Non, mais on savait. On le voit. on l'a vu tour 1. T'es deg ou quoi, là? C'est quoi cette tête que tu tires? Normalement, ça te met bien, mon pote. Dis-moi que oui. Non. C'est pas possible. C'est horrible. Frère, je crois que c'est on est baisé là. Ah si putain il est... Ah oui. Tu crois qu'il a une tête à avoir le gage là? Je sais pas. C'est à qui piocher là? Bah lui. Toujours pas de paire. Ah c'est vu c'est une folie. Putain mais c'est dingue par contre. Là faut juste qu'on tombe sur la bonne carte. Tu vas me récupérer ce 7. Mais tu veux que j'aille te chercher un 7? Je vais essayer de te choper ça. Qu'est-ce qu'il te faut au piège? Un as. T'as pas un as? Un as. Un as, c'est qui un as? Fais gaffe, celle-ci elle est rayée. C'est... Ah ouais? Mmh. C'est laquelle c'est celle-ci? Bah je l'ai en face de moi donc ouais. Mmh. Putain merde. Mais mélange pas, je prends direct, allez, tant pis. Mais non, fallait mélanger, t'as couillé! Bah non. Ah ouais. Oh mais je suis en stress là, je suis en sueur. J'ai mal au ventre, les gars. J'en peux plus. Dis-moi que t'as récupéré le 7 chez... J'ai pas le 7, frère. Oh, je crois que j'ai pas eu un seul 7 dans ma main depuis le début, moi. Tu veux dire j'ai un 7 avant? Ah oui, bah oui, c'est ça. J'ai peut-être ce qu'il te faut, mon pote. Toujours la rigueur, hein. Je te préviens. Ça fait chier, cette rayure. Pourquoi? Tu me permets que je mette mes cartes... Pourquoi ça fait chier? Pourquoi ça fait chier? Pourquoi ça te fait chier qu'il y a une rayure? On s'en fout, c'est une rayure. Il y a une big rayure, on sait. Quoi, on sait quoi? Ah, on sait quoi? Moi, je sais juste qu'il y a une rayure. Elle est là, la rayure, d'ailleurs. J'aime bien celle du milieu, là. Tu me permets? Il te fallait pas avaler? Oh, le putain de boss. Ça se joue entre toi et moi, Bilouche. Non, y'a moi. Ah putain, mais à chaque fois. Je voulais pas que je... Les gars, je vous jure, j'ai une crampe à l'estomac, là. Et du coup, t'as gagné? J'ai gagné, Billy. Mais attends, y'a un problème. Non, y'a un problème. Quoi? T'as pas de 8? Non. Les gars, on a baisé la game. C'est le triple 8. T'as posé un triple 8. Oh là là, j'ai un triplé. Magnifique. T'es en train de dire la que c'est pas triché, c'est la tête d'homme, il a le gage. Il a le gage. On l'a refait. Ouais, le bord de bâtard. Non, non, on l'a refait pas. Y'a aucun monde où on l'a refait. Vous vous mettez d'accord. Ça, c'est abusé. Bah, non, triple 8. Triple 8, on a jamais parlé de triple, on a parlé de paire. 3-8 à côté. Et moi, j'avais mon 8 de compte depuis le début. On prend un 8, tu le mets dans tes mains, parce qu'en soi, du coup, il était dans ta main. Et on continue à gagner comme ça. Bah, c'est pas cool. Ok. Ouais, mais c'est fair parce que là sinon bah. Oui, c'est vrai que c'est fair. Tiens, là par exemple, là on refait la game, je perds. Là frérot, c'est horrible pour moi là. T'avais pioché une carte, mais c'était. Un roi, c'était un roi. Ok, donc tu te rends ton roi. Ok. Mais du coup, on a tous une carte, non, c'est trop bizarre. Non, tu récupères le roi. Tu récupères le roi, il a gagné 6. Donc toi, t'as gagné. Moi j'ai gagné, ça y est. Comme ça ? Ok. Moi aussi.
Merci. Bravo, échappé. Moi aussi. Oui, c'est vrai. Mais je me fais baiser dans cette game. Je me suis complètement fait niquer, moi. Non, parce qu'il a deux cartes. Mon frère. Mon comment frère, ça, mon frère. C'est la journée golden. Comment ça, mon frère. La journée golden. Comment ça, mon frère. Ah oui, c'est vrai. C'est les deux qu'il fallait pas qu'ils se mangent le gage, c'était les deux. Ça va être horrible pour eux. Même moi, je sais pas où est quoi. Comme ça. Mais c'est pour ça, moi, j'aimerais bien que tu vois où est quoi. Non, moi, je le joue, genre... Comme ça, je veux... On est sur la finale. Je veux pouvoir faire ça. Et voir tes réactions. Là, tu vois, je sais, j'ai aucune idée de laquelle. C'est ça, laquelle. C'est bien ça qui m'emmerde. C'est bien ça qui, bien ça qui m'emmerde. C'est l'ascenseur émotionnel de baiser qui. Ah, mais moi, je suis. La baiser. Gâche. C'est pour toi que je vais le faire. Tu veux que j'active l'âme des cartes ou pas? Là, non. Toi, tu sais où elles sont? Non. Je suis le roi du monde, vraiment. Bah, la game, elle a aussi niqué. Pourquoi? Parce qu'il y a trois cartes. Ah merde, attends, j'ai mis la mauvaise, excuse, pardon. Quoi? Excuse, pardon. T'as voulu tricher, là? Non, pas du tout, j'ai mis la mauvaise. Techniquement, j'ai pas le gage, je gagnais, là. Mais pourquoi je t'ai demandé de montrer toutes les cartes tout à l'heure? Il est pas dans le truc. Connard, je pas fait exprès. Un partout, on a triché une fois chacun. Deux fois? Non, une fois chacun. Je pioche pas le gage. Frérot, normalement, je pioche ton but. Ok, j'ai triché, mais t'as triché au début. T'as pas fait exprès. T'as pas fait exprès d'être 3-8. Bah non, parce que j'ai. C'est des maths, c'est des maths. J'avais un triple. Et je l'ai. Oh, rush, je l'ai annoncé à voix haute. Eh, il y a une triche partout. Enlevez le 7 en trop et rejouez. Non, 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 vous me baisez deux fois là. Non, non, non. Depuis le début, je te dis toutes les cartes. J'essaie de t'aider. Quoi? Mais c'est là en mode qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais utilisé ça. Si. À chaque fois, t'as gagné. Quoi? Mais jamais. Quoi? Mais il essaie de me faire des signes et tout, mais j'ai jamais compris. T'as jamais compris? Donc, depuis le début, on essaie de me baiser. Non! Non, t'inquiète! Va te faire foutre, j'ai la golden journée, va te foutre. Oh, monsieur Bernd. C'est devenu une araignée. Donne-moi une carte. Arrête d'essayer de tricher. Non. Non, t'arrêteras pas? J'arrêterai pas. J'arrêterai jamais. Voilà, là les deux sont pareilles. Elles seront très très similaires. Tu n'auras aucune idée de qui est qui. Elles vont presque faire. Je vais. Non. Ah, c'est infini cette histoire là. Mais pourquoi tu mets ta main comme ça? Pour pas que tu puisses voir les diffs. Peut-être que t'as corné une carte, on sait jamais. T'as vu comment il prend pour un tricheur? T'as triché, hein. Ça va être infini. Mais non, ça peut signer d'un coup, genre. Oui, tu as fini. Ouais, je pense que c'est. Félicitations. Oh là 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 là. Oh non, non. Je t'ai dit, le karma, il a voulu tricher, voilà. Aïe, 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 aïe. Se faire sacré chevalier. Bonsoir à tous. Ménestrels et menstruels. Bienvenue dans le combat du siècle. Maxime Biaggi contre le féroce des îles. Regardez le féroce des îles. Hein. C'est vraiment... Ah oui, il est terrifiant, frère. Avec sa bite toute blanche là. Bon. Ce mec a pour mission d'enculer Maxime. Le slogan c'est Maxime, Maxime, fuis. Fuis. Maxime, Maxime, fuis. Fuis. Maxime, Maxime, fuis. Fuis. On va s'installer nous. Maxime, Maxime, fuis. Fuis. Maxime, Maxime, fuis. Fuis. Maxime, Maxime, fuis. Fuis. Maxime, Maxime, fuis. Ça pue sa mère. Il est pas bien ce slogan. Si. Trouve un autre. Un mieux. Attends, on va changer le slogan. On va changer. On va plutôt Maxime, faire. Maxime, Biaggi. Tu peux le faire. Allez, oh ouais. Ça c'est bien là, ça marche là. Oui, allez, Maxime, tu peux pas le faire. Tu vas te faire démonter. Trop long. Maxime, t'es mort. 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 Maxime, 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 Maxime. Voilà, classe. Frérot, c'est quoi là? Hein? C'est quoi ça depuis tout à l'heure? Il y a personne qui me chauffe. Si, on est avec toi. On est avec toi. On va tout faire rechauffer, mais. Maxime, 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 t'es mort. Maxime, t'es mort. Maxime, t'es mort. Maxime, t'es mort. Maxime, 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 Maxime
Déjà, mais t'as fait ça, là. Mais c'est beaucoup trop grand pour toi, non? Oui, et c'est super lourd. Non, mais soulève mon bras, genre. Wow. Non, j'avoue, c'est une merde. Ouais, j'avoue, c'est chiant. Ah ouais. Non, tu vas le faire, frérot. Ouais, t'étais mignon. Ouais, c'est plus, ça fait plus mal à nous que... Allez, Maxime, Maxime, Maxime. Oh là là, oh là là, non, non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, c'est une catastrophe. Je comprends, mais il y avait un truc. Ouais, en fait, il... en fait le truc, c'est qu'ils voient pas, quoi. Ils voient pas. C'était... Frérot, c'était... c'était pas fait exprès. Les gars, ils avaient pas vu, il y avait un truc là. Qui? Qui? Ouais. Il y avait un truc par terre. La machine à fumer à 700 balles, c'était ça par terre. Ah, ok, cool. T'emmerdes pas. Pourquoi il a une coquille de beuteux et pas Maxime? J'ai une coquille beuteux en dessous. Tu peux nous montrer? Ah ouais. Ah non, mais... arrête. Non, c'est pas possible. Ah c'est pas possible qu'il ait eu mal. Bah si. Oh. Bah oui. Mec. Mais comment c'est possible? Regarde, regarde, c'est... Ouais. Mais attends, mais comment c'est possible? C'est vrai, Max? Il est con. C'est vrai? Ah ouais. C'est vrai, Max? Max, c'est vrai? Mais comment c'est possible? C'est hors tank, frère. Mais au Mema, quand il se met un coup de pied dans ici... Un coup de pied, comme ça? Mais t'es un malade de c'est faire vrai, ça. C'est vrai, en vrai? Mais oui! Ah, excuse frère, mais je pensais que t'étais invincible moi là! Mais je suis pas invincible frère! Même lui me regarde en mode bah oui, t'es mais con oui, mec! Tu les connais ces mecs! Mais c'est des ouf! Eh vas-y, on se casse! Bon, bon allez, vas-y, bon, ouais. Frère! Allez Max, putain, oh, on est avec toi! Je l'ai affaibli pour le combat là! Mais il est mort, il est mort! Maxime! 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 On va peut-être l'aider, peut-être l'aider! Maxime, on va peut-être l'aider, venez les gars, on va l'aider! Vas-y, vas-y! La jambe, passe la jambe. Mais il fait que tomber, frérot, c'est un truc de fou. Maxime, 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 Maxime. Frérot, je suis mort. Je suis essoufflé. Maxime va faire qu'une bouchée de toi. Maxime, il a insulté ta mère hier. Alors le combat va commencer au aller et il s'arrêtera au halt. JC. Ouais, Max. Je te déteste. Ouais, Max. Salvez-vous. Comment on fait? Oh, voilà. Un câlin, si tu veux. Mets-lui un coup d'épée, voilà. C'est ta seule chance. Mais il saute et tout. Allez, allez, Max. Oh là là, mais c'est dans la tête. Oh là là. Maxime, montre-lui tes clés. C'est pas ma faute, y'avait un truc. Attendez, on a besoin de lui donner des conseils. Maxime, lève ton bouclier, bordel. Tu tiens une hache, c'est une bûche. Ok. Maxime, petite astuce. Le match a commencé là. Max! Ça va? Ça va! Il t'a vraiment foutu là ou t'as la force? Il m'a cassé la gueule! C'est grave, putain, pourquoi c'est là? Maxime, c'est bizarre, t'as mis aucun coup! Qu'est-ce qui s'est passé? Il fait chaud là! Il t'a fait mal? Ah, c'est quoi ce museau? C'est vrai qu'il a un museau là! Je crois que j'ai une morve! Bon, enlève! Ouais, attends, oui! Oh putain! Ah, vous êtes déjà très mais mon entraîneur, c'est le boss! Je vous jure, c'est une singerie hein! Ah ouais. Non mais on mais en fait là, imagine t'as une tête qui fait le double de la tête normale et on te la tape et t'es down. Mais pourquoi tu t'es fait down en boucle? Frérot il tape down des gens, il tape down. Des gens tous les jours. Damn Maxime. Non mais tu ripostes pas assez. Ouais. On a analysé sur le côté nous. J'aurais bien aimé vous voir bande de bâtards. Bah ouais mais c'est toi qui as perdu le gage. J'aurais bien aimé te voir en éponge aussi, on aurait aimé plein de trucs hein. Vous voulez essayer de me mettre un coup? Le pire c'est pas les coups d'épée, c'est les coups où ça me pousse. Ok. C'est bien ça. Moins fort, ça va? Non, le coup de bouclier, c'est le pire, je te jure. Il était super celui-là, très bien. Qui d'autre veut me taper? Profitez-en.
Oh merde. Alors il y a une tradition médiévale, c'est qu'un nouveau chevalier reçoit une accolade. Ah cool. Un canard. Il y a différentes façons, on peut mettre une claque, etc. Un canard. Ouais, presque. Il y a, trop bien, y a, ça fait y a une forme d'accolade, en fait c'est une grande claque dans le dos. Ok mon gars. Je vous aime, mon gars. Aïe. Chevalier Max, bravo. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. J'ai compris, bravo Max. Bravo frère. Et je pense que du coup ça marque aussi une fin de vidéo, les amis. Malheureusement, t'as ta kiffé, donc tu te régales encore là. C'était une régalade. C'était, et moi, journée golden aussi. Hein. Ah bah oui, là, franchement, check incroyable. Frérot de la golden. Ouais, trop bien la journée, les gars. T'as kiffé, Max? Ouais, ouais, de fou. Surtout ouais. Le moment où tu sais, je me suis fait tabasser. Quand ça? Là, il y a vraiment là. Non, mais non, c'était un combat quoi. Ouais, un combat, genre égal à égal, genre. Regarde, il est ouais. Plein ouais. De fou. Il a une grosse larme. Ah, non. Ah putain. J'ai regardé dedans. T'as regardé dedans ouais. Je vous jure que même dedans il y a une larme. C'est ça. Merci beaucoup les frérots encore. Bah, merci. On a fait ça avec vous, c'est frérot. Génial. Merci beaucoup pour l'invitation à chaque fois. Merci Max pour l'investissement. Est-ce qu'on peut se quitter sur Manas qui met une patate ou pas? Merci beaucoup encore à vous les frérots. J'ai kiffé faire ça avec vous comme d'habitude. C'est incroyable. Si ça vous a plu, je suis encore plus content. Un bon Max. Bam. Tu kiffes toi hein. La nuque explosée. Tu veux nous dire un truc? Attends. En fait, dis-toi un truc. Comment nous? Je n'arrive plus à tenir mon bras. Bah lâche-le. Il est lâché, mais il y a quand même le poids. Ah, merci. De la sueur au visage. Un plat au micro-ondes, un peu. Eh, les frères, en vrai, un grand respect aux chevaliers. Je vous jure que je pense que visuellement, on peut pas se rendre compte d'à quel point. Bah non, genre là, j'ai des courbatures aux épaules. Franchement, grand respect à toi parce que c'est une discipline de fou en vrai. C'est intéressant. N'hésite pas à venir t'entraîner. Mais je crois que je m'a cassé la gueule pour un an là. Merci infiniment à Apple de nous avoir accompagné sur une vidéo comme ça, c'est incroyable. Vous avez le lien dans la description pour télécharger l'application. Et en ce moment ils font un petit concours. Si vous tombez sur le profil que Aven m'a créé dans leur appli, vous pouvez gagner des petits goodies, des petits trucs sympas. Merci aux équipes de SAE à Paris pour avoir fait de Max un chevalier. Et pour tout ce délire là, merci aux équipes de Costumes sur scène pour ces costumes magnifiques. Incroyable. Très crédible et très vraiment. Je suis sûr, ils avaient un flow de fou à l'époque. Ah, mais gros, ça marche trop bien. Ouais, ils étaient un poil poussés. Merci infiniment au lieu qui nous accueille, le point fort d'Aubervilliers. Merci à vous de regarder tout ça à chaque fois. À la prochaine pour des prochaines. Pour des. À bientôt. Ouais, ouais. À bientôt. À bientôt. Et puis on finit sur Manas qui envoie sa meilleure droite à Max. Oh, c'est mignon. Wow! Il m'a dit petite merde, il m'a dit! Et ça, vous avez vu, c'est le vrai visage de Manas.